We have, you know, great love for both countries. These are great countries, great places. It's very interesting how the UK broke away. I sort of, as you know, if you know that I predicted it. And I'll tell you, the fact that your pound sterling, you know, your sterling has gone down, great. Because business is unbelievable in a lot of parts of the UK, as you know. People don't want to have other people coming in and destroying their country. And you know, in this country, we're going to go very strong borders. From the day I get in, one of the first orders I'm going to sign, day one, I think it was very unfortunate what happened. Yes. And you know, I have a love for Germany because my father came from Germany. And I don't want to be in that position. And you know, the way I look at it, we have enough problems. I had great respect for her. Yeah. I felt she was a great, great leader. I think she made one very catastrophic mistake. And that was taking all of these illegals, in, you know, taking all of the people from wherever they come from. And nobody really knows where they come from. My mother was very ceremonial. I think that's where I got this aspect, because my father was brick and mortar. He was like, and my mother sort of had a flair. She loved the Queen. She loved anything. She was so proud of the Queen. She loved the ceremonial and the beauty, because nobody does that like the English. The Scottish are known for watching their pennies. Yes. So I like to watch my pennies. I mean, I deal in big pennies. It's the problem. I respect her, and I like her. But I think it was a mistake, and people make mistakes. But I think that was a very big mistake. I think we should have built safe zones in Syria. Would have been a lot less expensive. Get the Gulf states to pay for them. They've got money that nobody has. Look, this whole thing should have never happened. Iraq should not have been attacked in the first place, all right? It was one of the worst decisions, possibly the worst decision ever made in the history of our country. We've unleashed, it's like throwing rocks into a beehive. Yep. It's one of the great messes of all time. Do you understand that there, among Eastern Europeans, there's a lot of fear of the Putin and his Russia? Sure. Well, I mean, I understand what's going on. And I said a long time ago that NATO had problems. Number one, it was obsolete because it was, you know, designed many, many years ago. Number two, the countries weren't paying what they're supposed to pay. That took such heat on when I said NATO's obsolete. Yeah. It's obsolete because it wasn't taking care of terror. Number one, Angela Merkel was by far the most important leader. If you look at the UK, I mean, you look at the European Union, it's Germany. Yeah. It's basically a vehicle for Germany. That's why I thought the UK was so smart in getting out. And you were there, and you guys wrote it, put it on the front page. Yes. Trump said that Brexit is going to happen. Yes. Right? And it happened. Yes. And that was where it was going to lose easily. You know, everybody thought I was crazy. Obama said they'll go to the back of the line. I think you're doing great. Countries want their own identity. And the UK wanted its own identity. But I do believe this, if they hadn't been forced to take in all of the refugees, so many, with all the problems that it, you know, entails, I think that you wouldn't have a Brexit. It probably could have worked out. This was the final straw. This was the final straw that broke the camel's back. Look, I won the election because of strong borders and trade. And military, we're going to have strong military. Rebonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue pour la suite de notre soirée spéciale consacrée au saut dans l'inconnu que s'apprêtent à faire d'ici 48 heures à la fois les États-Unis et la planète avec l'investiture de Donald Trump. Est-on en train de vivre le début d'un nouvel ordre mondial à la fois économique et géopolitique? C'est le sujet de la discussion que nous avons maintenant avec trois invités, avec François Bonnet et moi-même avec trois invités. Mathias Fekl, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'actuel secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Ah, vous êtes franco-allemand et vous avez à votre côté l'ambassadeur d'Allemagne en France, Niklaus Meyer-Landrut. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour conclure ce tour de table sans table, Pierre Lelouch, vous êtes député, délégué général des Républicains. Vous venez d'employer le terme de ministre Trump, en fait, de François Fillon, puisque vous êtes chargé des relations des affaires internationales pour les Républicains et en particulier des États-Unis dans la campagne Fillon. Et vous êtes l'auteur d'un récent ouvrage qui s'intitule « Une guerre sans fin ».
C'est publié aux éditions du CERF. Alors on entendait dans la transition entre ces deux plateaux des extraits de l'entretien qu'a accordé Donald Trump au quotidien Bild et au journal anglais The Times. Quand vous entendez ces propos, comment chacun de vous, qui êtes amené quand même à traiter des questions de diplomatie, vous appréhendez quelqu'un qui ne respecte aucun des codes habituels de la diplomatie? Alors ça, on l'avait déjà constaté dans une primaire, au moment de la primaire, mais là, c'est même quand il s'adresse au monde, même quand il s'adresse à des puissances comme l'Allemagne, même quand il s'adresse à l'Europe. Peut-être, monsieur l'ambassadeur. Bon, d'abord, nous avons pris note de l'interview. La chancelière l'a dit, elle l'a même lu. Donc on écoute quand même ce qu'il a à dire. Sur le fond, je pense qu'il est trop tôt de vraiment porter un jugement fondé sur la politique. Nous sommes encore dans l'avant-investiture. Les équipes ne sont pas encore formées. Vous savez qu'une administration américaine prend parfois des semaines, voire des mois, avant de définir ses politiques proprement dites une fois mises en place. Donc nous attendons ça avec beaucoup de calme, de respect et de concentration. Vous restez diplomate, quoi, vous. Mathias Nicole. Il y a la forme et puis il y a le fond sur la forme. Je crois que c'est sa personnalité et que c'est ce qui va se passer tout au long du mandat. Ça fait partie aussi un peu du fonds de commerce. Après, ce qui compte, c'est surtout le fond et les décisions qui seront prises. Alors, en effet, on est en train de regarder l'installation de l'administration américaine et de voir qui est nommé, qui sera confirmé. Vous connaissez les processus de confirmation qui, d'ailleurs, mériterait d'être regardé de près. C'est très intéressant sur le sujet démocratique de voir tous ces processus de confirmation et ensuite de voir les premières décisions. Mais ce qui est sûr, c'est que la tentation est très forte aujourd'hui de voir de la part des États-Unis un retrait des affaires du monde sur un certain nombre de sujets et sur d'autres, au contraire, un investissement extrêmement agressif et égoïste. Et donc, moi, ce que j'en déduis, mais encore une fois, sans préjuger de ce que sera cette administration, des décisions qui seront prises, c'est que l'Europe a une occasion unique, enfin, de s'affirmer, de sortir de sa servitude volontaire. On va parler de ça, bien sûr, c'est la question centrale. Là, cette première question, c'était quand même la question de forme. Je vous donne un autre exemple pour que également M. Lelouch puisse répondre. Notre envoyé spécial en ce moment à Washington, lui, ce qui le sidère, c'est une sorte de nervosité extrême de la classe politique face au personnage Trump, qui est dans le même état de surprise, d'une certaine manière, que nous-mêmes le sommes face à cet entretien donné sur l'Europe, où effectivement, comme le dit Joseph, tous les codes sont brisés. Donc je ne sais pas, M. Lelouch, par rapport à ça, par rapport simplement à l'appréhension du personnage, comment il fonctionne, comment on discute avec quelqu'un comme ça ? Je ne sais pas qu'en penser. C'est quelque part un peu dérangeant, parce qu'on dit que tout et n'importe quoi sont possibles. En même temps, dans le système américain, il y a des contrepoids extrêmement efficaces. Le président n'est pas seul à faire la politique étrangère des États-Unis. Le Sénat en particulier, le Congrès, mais surtout le Sénat. Les sénateurs, c'est tous des présidents en puissance, avec des égos monstrueux et des pouvoirs très importants. Ils peuvent paralyser la politique ou la rendre complètement illisible. Je vous donne un exemple. Sous Obama, Obama voulait l'accord nucléaire avec l'Iran, le Congrès a bloqué la levée des sanctions. Voilà. Donc il peut se passer exactement la même chose, même avec un Congrès républicain, parce que dans le Congrès, il y a un tas de gens qui détestent M. Trump. Bon. Donc première chose, il y a cette forme qui est un peu dérangeante. Honnêtement, on ne sait pas trop où ça mène, mais en même temps, il y a un garde-fou très important. Deuxièmement, dans ce qu'il dit, ce n'est pas très original. Je veux dire, le protectionnisme est consubstantiel à l'histoire des États-Unis. Alexander Hamilton, l'homme qui a écrit les papiers de la Fédération américaine au tout début, c'était un protectionniste. L'Amérique est restée protectionniste jusqu'à la guerre, avec des lois qui existent toujours, comme Buy American, par exemple. Et donc, la puissance américaine s'est construite sous protectionnisme, c'est une religion chez eux. D'ailleurs, honnêtement, ils ne nous font pas de cadeaux. Et une des raisons pour lesquelles TAFTA a eu tellement de problèmes, c'est qu'on n'a jamais pu ouvrir les marchés publics américains sous Obama. Quand il commence à taper sur l'OTAN, c'est une vieille rengaine américaine que de dire les Européens, free rider, se laissent porter, c'est nous qui payons, ça ne peut pas durer. Là, il le dit de façon très brutale, mais rien que sur ces deux points, si vous voulez.
la tentation du repli, elle était déjà sous Obama. Là, elle est habillée sur une forme beaucoup plus brutale. Mais it's more of the same. C'est un peu la même chose en plus brutale. Monsieur l'ambassadeur, c'est ce que vous pensez quand on voit cet entretien de Trump qui qualifie la politique de Merkel sur l'accueil des réfugiés d'erreur catastrophique. Quand il qualifie l'Europe d'instrument au service de l'Allemagne. On a envie d'être la petite souris lors de la prochaine réunion Trump-Merkel. Comment vous appréhendez ça? C'est parole verbale oui. Non, mais il y a deux dimensions. Il y a une dimension sur le fond. Pour nous, les relations transatlantiques restent et resteront importantes. Il y a dans ces relations beaucoup aussi de nos valeurs, de la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent avec les Américains. Donc il ne faut pas maintenant, dans les expressions, voir que des oppositions. Par rapport à des questions comme l'Europe ou les réfugiés, honnêtement, je n'ai pas entendu quelque chose que M. Trump n'avait pas déjà dit avant. Je pense que M. Trump sait aussi ce que la chancelière en pense. Elle s'est exprimée et elle a sa vision des choses. Pour l'Europe même, je pense que les Européens, et Matthias Feckel le disait d'une certaine manière, nous avons notre destin entre nos mains. Et si on nous parle de cette manière, on va être plus amené à démontrer qu'on a notre destin entre nos mains. Et l'histoire de l'Europe est une histoire complexe et longue sur laquelle l'Union européenne, l'intégration européenne est un peu une réponse à des situations dramatiques, des guerres, de tout. Ce n'est pas seulement une histoire de libre-échange. Donc, à la limite, j'aurais envie d'inviter M. Trump à sa première visite aux États-Unis, en Europe, de venir visiter des cimetières des guerres, de voir pourquoi on a construit l'Europe, et peut-être il comprendra un peu plus sur l'histoire de l'Europe. Matthias Feckel, vous disiez presque c'est une opportunité, finalement. Une opportunité unique. Ça va nous obliger à refaire l'Europe. À la faire. Ou à la refaire. Ou à la refaire. En tout cas, à donner un nouvel élan, parce que vraiment, c'est l'occasion pour l'Europe de sortir d'une forme de servitude volontaire. Quand vous voyez qu'après l'élection de Trump aux États-Unis, la première réaction des États-Unis, de l'Union européenne à travers la Commission, et de dire on espère encore que le TAFTA va se faire, alors que tout le monde sait que c'est impossible et que ce serait préjudiciable aux intérêts européens, les bras vous en tombent. Mais l'Europe a l'occasion... Oui, mais les Européens sont divisés. Oui, ils sont divisés, mais ils le sont pour une raison particulière. Alors, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a des intérêts différents, y compris entre les pays. Il y a des gouvernements différents et des tendances politiques différentes. Et puis, il y a un aspect qui est très important, c'est l'Europe de l'Est, qui, elle, à cause de son positionnement et de son voisin, son grand voisin à l'Est, est légitimement très inquiet de ce qui peut se passer. Et donc a un tropisme américain extrêmement fort. D'où l'importance, plus que jamais, de redonner aussi une impulsion à l'Europe de la défense. Il y a dans les derniers conseils un certain nombre de décisions là-dessus qui vont clairement dans le bon sens, parce qu'on ne pourra pas construire l'Europe tant qu'une partie extrêmement importante, et franchement quasiment toute l'Europe de l'Est, se dit « nous, notre défense passe nécessairement et exclusivement par une alliance très forte avec les États-Unis ». Ça, c'est un ferment de division au sein de l'Union européenne. Mais ma question était, une fois qu'on a dit ce qu'a été la réponse d'Angela Merkel également et d'à peu près tous les Européens, qu'on a dit, ben, finalement, ça va nous obliger à mieux faire de l'Europe. Le problème de l'Europe depuis maintenant 10 ans, c'est l'accumulation de crises, de fractures, de divisions, de désaccords. Vous parliez des pays d'Europe centrale. Et c'est surtout le divorce entre une machinerie européenne, des institutions européennes et les opinions publiques. Donc, comment pourrait surgir soudainement un mode d'emploi qui d'abord relancerait l'Europe et ensuite réconcilierait l'Europe avec ses opinions au moment où en plus on a sous les yeux l'exemple du Brexit. Il n'y a pas la décision ou la solution qui réglerait tout, sinon probablement de bons esprits l'auraient trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'Europe s'est déconnectée. Et alors que le projet européen était extrêmement ancré dans le cœur des Européens, la machinerie, comme vous dites, s'est éloignée. Donc il y a plusieurs aspects là-dessus, à mon avis. Il y a d'abord que la Commission européenne redevienne un lieu d'impulsion politique et de vision politique.
Non, on peut pas toujours rêver. Elle l'est pas aujourd'hui, mais dans les grands moments de l'Union européenne, c'est quand même la Commission qui a impulsé un certain nombre de choses, appuyée ensuite par le Conseil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Depuis 10 ans, c'est l'intergouvernemental qui a repris. Et quand Trump dit « l'Europe est devenue un instrument au service de l'Allemagne », on pourrait dire qu'il n'a pas totalement, entièrement tort. Moi, je crois pas. Pardon, ce ne sera pas de votre avis. Tsipras est assez d'accord avec ça. Oui. Non, mais ce qui fait mal dans ce que dit Trump, c'est qu'il ne dit pas que des bêtises. Il met le doigt là où ça fait mal. Quand il dit que Angela Merkel, il le dit de façon très brutale, mais moi je le dis, je dis la même chose dans mon livre. La décision prise unilatéralement par Mme Merkel a amené à la destruction du système de Schengen. Je le dis devant l'ambassadeur d'Allemagne parce que je le pense et je le raconte. Quand il y a eu cette histoire de photo du petit enfant kurde sur la plage, elle a dit on peut le faire. Et elle a déclenché un mouvement. On avait un bureau politique ce soir-là dans mon parti. J'ai dit, elle est en train de déclencher des forces que personne ne contrôlera, parce qu'il y avait 2,5 millions de personnes qui attendaient en Turquie, 2,5 millions en Jordanie. Dès lors que les portes étaient ouvertes, ils sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Les frontières sont tombées les unes derrière les autres. Et elles sont toutes érigées à nouveau aujourd'hui dans les Balkans, en Europe de l'Est, en Autriche, en Allemagne et même en France. De facto, Schengen est mort, il doit être complètement repris à la base. Article 1. Deuxièmement, quand elle dit des choses sur le poids de l'Allemagne dans la zone euro, il y a un tas de gens qui pensent ça, y compris moi. Demandez au Premier ministre grec ce qu'il en pense. Bien sûr que la monnaie unique et la machine européenne, le marché unique, a servi l'économie la plus forte. Regardez les excédents allemands qui sont dus à une capacité industrielle supérieure à la nôtre, et elle maximise. Nous n'avons plus l'arme de la dévaluation pour booster un tissu industriel beaucoup plus faible. Et donc nos déficits ont tendance à croître, tandis que les excédents allemands augmentent. Donc pour en sortir, et c'est pour ça que les peuples divorcent, c'est pour ça qu'il y a du ressentiment sur l'Allemagne. En Grèce, il est énorme, le ressentiment. Donc Trump, il dit des choses qui, malheureusement, par endroits, sont justes. Et quand il dit que l'OTAN est obsolète, il dit ce que plein de gens pensent en France, y compris à gauche. Depuis des années. De là, le sujet, c'est pour ça que ce matin, d'ailleurs, on avait une réunion avec François Fillon. Sa réunion à Berlin, la semaine prochaine, est extrêmement importante parce que si l'Europe est sauvée, ça ne peut être qu'avec une confiance totale entre la France et l'Allemagne. Sinon, ça ne marche pas, l'Europe. Tous ceux qui ont travaillé autour de la table du Conseil européen savent quand il n'y a pas d'accord entre la France et l'Allemagne, le système est complètement par terre. Pour relancer l'Europe, et il nous en donne la possibilité, Trump. Nous, Français, ça fait depuis le général de Gaulle, le plan Fouché en 62, le traité de l'Élysée en 63, qu'on exhorte sans arrêt nos amis européens et allemands. Faisons l'Europe politique, faisons l'Europe de la défense. À chaque fois que les Allemands ont eu à choisir entre le parapluie américain et l'ombrelle française, ils ont toujours été à Washington. Là, pour la première fois, de l'après-guerre, Trump dit aux Allemands, fini, votre système de sécurité fondé sur moi, ça ne marche plus. – Ça fait quelques années que l'Allemagne a reconstruit son appareil de défense, a changé sa diplomatie. – Monsieur l'ambassadeur. – Non mais je termine. Le moment est venu, si vous voulez. Pour que ça redémarre, il faut qu'on ait au moins deux ou trois points fondamentaux sur lesquels la France et l'Allemagne peuvent repartir ensemble. La sécurité, la lutte antiterroriste et certainement la politique économique, la gestion de la zone euro, sans parler de la politique migratoire. Ces trois ou quatre sujets sont cardinaux. S'il y a un accord entre la France et l'Allemagne, il y a encore une chance de recréer un noyau dur qui résistera au Brexit britannique et qui pourra rendre coup pour coup aux pressions que les Américains nous font. Moi, j'ai fait un rapport que connaît Mathias sur l'extraterritorialité des lois américaines. Ils nous ont massacrés, Alstom, la BNP, sous Obama. Ils nous ont massacrés sous Obama. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour qu'on résiste, il va falloir taxer leurs entreprises, notamment dans les grandes boîtes d'Internet. Il faut arrêter l'ubérisation et tout le fric qui retourne aux États-Unis. Les gens qui ne payent pas d'impôts en Europe. Bref, il faut s'imposer. Monsieur l'ambassadeur, face au discours très français de Pierre Lelouch, comment voyez-vous les choses? Voulez-vous qu'il soit? Non, mais quelques remarques. Je pense premièrement que dans les années de crise que nous avons traversées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en franco-allemand.
dont on parle peut-être pas assez souvent. Nous avons ensemble su prendre des décisions nécessaires au moment de la crise de l'euro le plus fort. Nous avons mis en place des systèmes de protection qui n'existaient pas avant. Nous avons ensemble mis en place une union bancaire qui n'existait pas avant, ce qui sont des avancées majeures dans la construction de la zone euro et de l'Union européenne. Nous avons mis en place ensemble des positions communes pour arriver à une position commune sur le climat qui est la base de l'accord de Paris. Donc je pourrais allonger la liste. Donc pour ne pas seulement parler des choses qui sont peut-être encore à faire, je ne peux pas laisser l'image comme quoi dans les dernières 10 ans, en matière européenne et franco-allemand, rien n'a été. Mais ça a été dur, hein, le sauvetage de l'euro. Moi, je l'ai vécu à côté de Nicolas Sarkozy. Ça a été fait. C'était compliqué d'amener Madame Merkel d'accepter. Je ne sais pas qui il fallait amener où, ouais. Mais ça a été. Moi, je l'ai vécu. Et c'était moi aussi. c'était des décisions en commun. Ouais. Et alors maintenant, comment voyez-vous ce que serait une relance? D'accord. Non mais oui. Et quand on regarde les choses, vous parlez des excédents, d'autres parlent des excédents. Il faut regarder les chiffres en détail. Une grande partie des excédents allemands aujourd'hui sont sur base de produits qui sont avant livrés des autres pays européens à l'intérieur de la zone euro. Donc l'excédent de l'Allemagne en tant qu'Allemagne est grand à l'extérieur de l'Europe, mais a beaucoup baissé à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de la zone euro. Donc les chiffres sont plus nuancés. Je peux vous les donner, les chiffres. Oui, ils sont quand même très lourds en Europe même. Non, ils sont bien en dessous des seuils fixés. Donc simplement, il ne faut pas seulement regarder un chiffre, mais il faut à ce moment-là voir qu'aujourd'hui, dans le commerce international, il y a beaucoup de produits intérieurs, il y a beaucoup de production aujourd'hui qui est européenne. Et l'Europe dans son ensemble est à l'équilibre. Et l'Europe ne sera pas à l'équilibre si elle n'exporterait pas un peu. Je suis d'accord que sur la partie frontière, il y a des choses, des responsabilités qui résidaient avec les États membres et pas avec l'Union européenne. L'Union européenne a établi les lois et les États membres étaient ceux qui étaient censés de les mettre en œuvre. Que la mise en œuvre n'a pas été partout parfaite, pour être diplomate. Je pourrais le décrire autrement. Et qu'il y a un chemin à faire. On a commencé. Les deux ministres de l'Intérieur, maintenant ministre, Premier ministre en France, Bernard Cazeneuve, Thomas de Maizière, ont fait beaucoup de choses en un an pour améliorer les questions autour des contrôles des frontières. Et il faut aller plus loin. Ce n'est pas encore abouti pour la lutte antiterroriste, pour le contrôle des flux migratoires. Il y a du travail à faire. Pour revenir à une Europe qui est plus aimée, si vous voulez, pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on ait des résultats concrets. Ça ne passe pas par dans 30 ans, on va être telle et telle configuration. Il faut être sur le concret, il faut avancer, il faut montrer qu'on apporte des solutions aux problèmes qui se posent aux gens au quotidien. Mais alors, excusez-moi, parce qu'en fait, je ne comprends pas très bien, Mathias Fekl, quand vous dites que ça peut être une opportunité. J'aimerais qu'on précise, parce que on entend beaucoup dire, et Pierre Lelouch l'a répété, que finalement Trump n'a pas complètement tort quand il dit que l'OTAN est obsolète, quand il dit que... ou alors au contraire, on peut estimer qu'il a complètement tort ou pas sur quand il traite la politique de Merkel vis-à-vis des réfugiés de catastrophique, alors que d'autres estiment qu'elle a au contraire sauvé l'honneur de l'Europe. Donc de toute façon, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une opportunité? Parce que là, on aurait le nouveau président de la plus grande puissance mondiale qui dirait des vérités que maintenant, du coup, on pourrait accepter, par exemple sur le libre-échange. Après tout, sur les traités internationaux, vous avez été un des défenseurs de ne pas négocier des traités comme ça, qui sont nocifs pour les peuples, de libre-échange des deux côtés de l'Atlantique. Donc est-ce que c'est ça l'opportunité? C'est juste, bah voilà, le nouveau chef de la plus grande puissance mondiale dit des vérités dont on peut s'emparer. Ou alors, est-ce que c'est au contraire, le fait que ben, quand même, l'Europe se sent un peu rétrécie, hein, pour le dire brutalement, entre Poutine et Trump, et que donc, de cette situation, va, comme ça, un peu miraculeusement, surgir une volonté d'unité et d'entraide? Il y a plusieurs aspects. Il y a le Brexit, d'abord, qui pose la question de la survie même du projet européen. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, ça donne quand même des idées à beaucoup de monde, un peu partout. Et d'ailleurs, Trump l'encourage. Oui, on a l'impression mais l'encourage parce qu'il y a une sorte d'international des populistes qui se retrouve, que lui désigne, il suggère que M. Farage soit nommé ambassadeur aux États-Unis. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça, et qui ne sont pas anodins, mais qui ne sont pas non plus dues au hasard. Donc, l'Europe,
On dit souvent qu'elle est à la croisée des chemins. Ça, je pense qu'à peu près tous les ans, elle est à la croisée des chemins. Mais là, il y a une... Ça aussi, ça fait même beaucoup plus. Mais il faut pas non plus idéaliser le passé, ouais. Parce que toutes les grandes décisions européennes ont été prises souvent dans la douleur, y compris les grandes décisions franco-allemandes ont été prises avec des confrontations, avec des crises, etc. Bon. Mais le douleur, mais, là, c'est plus que dans la douleur. Mais évidemment. Et donc, aujourd'hui, si l'Europe, comme projet politique et comme rêve auquel moi je crois, veut perdurer... Ça veut dire qu'il faut travailler sur un certain nombre de fondamentaux, et y compris des fondamentaux sur lesquels l'Europe n'était pas bâtie au départ. Tout ce qui est dit sur le régalien, et moi je rejoins largement hein, sur la défense, les questions sécuritaires, la question des frontières aussi. C'est absolument. Non, je suis pas sûr. Sur le diagnostic, il y a un certain nombre de points qui évidemment sont des défis, mais de la même manière. Comment est-ce qu'on transforme la COP21, l'accord de Paris, comment ça devient un projet politique, comment l'Europe devient le premier continent à travailler sur la transformation de son modèle de production, qui est indispensable pour la survie même de l'humanité, pour l'écologie. Comment est-ce qu'on donne du sens pour que les jeunes se retrouvent à nouveau dans l'Union européenne? Moi, je propose que tous les jeunes, quel que soit leur milieu d'origine, leur parcours d'études ou non, puissent, avant leurs 18 ans, avoir 6 mois dans un autre pays de l'Union. Avec ça, on est sur du concret. On est aussi sur la démocratisation de l'idée européenne, qui ne peut pas être réservée à une élite, qui doit être quelque chose de largement popularisé. Et puis, l'Europe peut être l'entité au monde qui travaille au retour de la puissance publique, qui travaille sur des règles pour demain. C'est vrai en économie, c'est vrai en matière sociale, c'est vrai sur toute une série de sujets environnementaux. Et au moment où les États-Unis sont tentés d'être dans un égoïsme extrêmement agressif, elle doit, elle, poser... D'abord, une défense des intérêts très forte, elle ne l'a pas toujours fait. Il y a eu une grande naïveté là-dessus dans les négociations. Elle doit être capable de poser des règles. Et ça, c'est un défi absolu pour l'avenir. Vous voyez bien qu'en termes de modèle, si je puis dire, la question n'est pas celle du modèle. La question est celle de, face à la puissance américaine, que M. Lelouch, pardon, mais vous avez quand même été un atlantiste farouche durant des années. Dire, j'ai toujours été d'abord dans l'intérêt de mon pays. Quand j'ai été en faveur de l'OTAN, on avait besoin de l'OTAN parce que c'était la guerre froide. Voilà. Et qu'il y avait l'affaire des euromissiles. Absolument. Et que si on n'avait pas déployé mais à l'époque. Vous avez toujours été considéré comme extrêmement proche parce de que la j'ai politique soulé. Américaine. À la différence d'autres, je n'ai pas été à l'ENA. J'ai un doctorat de Harvard. Ça a été mon péché. Pas... Non. Vous avez soutenu la guerre d'Irak. Non, en 2003. Je n'ai pas. Non, vous avez c'est... soutenu la politique étrangère de Bush. Mais je souligne ça parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'un nouvel impérialisme américain. Non, attendez. Ne confondons pas. Sur la guerre d'Irak, on peut en parler autant que vous voulez. Ce que j'ai critiqué, c'était la position de la France à l'époque, qui connaissait parfaitement les plans américains depuis un an, et qui a eu cette politique. Si vous lisez mon livre, je dis que cette politique a été extrêmement négative, dans la mesure où elle a transformé l'Iran en superpuissance régionale et que nous en payons le coût. Bon. Maintenant, quant à savoir si l'OTAN a été utile dans l'histoire de France, oui. S'il n'y avait pas eu l'OTAN, il n'y aurait pas eu d'Europe. Je rappelle les faits. Rappel des faits. 1949, charte de l'Atlantique. 1955, conférence de Messine. Et ensuite, naissance du traité de Rome. L'Europe avait besoin d'un socle de sécurité que nous ne pouvions pas donner. Et il y avait tout un problème qui était celui de du réarmement de l'Allemagne à l'époque, dont la France ne voulait pas. On a voté contre au Parlement français. Voilà. Bien sûr. Et on avait une Allemagne divisée. Donc pendant toute une période... où il y avait des risques de neutralisation de l'Allemagne. Il y a une pression très forte de l'Union soviétique pour obtenir la neutralisation de l'Allemagne. Rappelez-vous, fin des années 70, début des années 80, il y a eu un test de volonté, et j'ai soutenu François Mitterrand, quand François Mitterrand, à l'époque, disait les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Bon, maintenant on est dans un autre monde, il n'y a plus de guerre froide. La bonne nouvelle avec Trump, c'est qu'il n'y aura pas de guerre froide, alors qu'Obama nous y conduisait tout droit. En partie à cause de l'affaire ukrainienne, en partie à cause d'autres choses. Il y avait une montée d'adrénaline des deux côtés qui ne me plaisait pas du tout, y compris en matière de course aux armements nucléaires. Là, clairement, Trump, il cherche un deal. Le problème du deal, c'est qu'il risque de se faire au-dessus de la tête des Européens, et on a des gens qui sont tétanisés en Europe. Voilà, les Polonais, les Baltes, les Allemands en particulier. C'était ma question, puisqu'on n'est pas tellement dans la question du modèle social ou économique européen, mais plus dans la question de puissance. Et donc, l'Europe aujourd'hui n'a pas de politique étrangère commune et n'a pas de politique de défense. Donc, comment on fait entre ces deux puissances qui s'affirment, la Russie
et c'est les pour États-Unis. Ça que je dis que rien ne se fera s'il n'y a pas une confiance entre la France et l'Allemagne. Moi, j'observe que l'Allemagne commence à évoluer. Son budget de défense va dépasser celui de la France. Donc, oui, ils rentrent dans la réalité. Ils viennent d'être attaqués par le terrorisme directement. Je pense que le choc de Trump va être très fort. Il y aura un vrai débat en Allemagne. Et quand les Allemands débattent, ils débattent vraiment. Et ils font des choses, pas toujours le cas en France. Donc, je pense qu'on peut avoir, avec cet électrochoc américain, ce que De Gaulle a cherché à faire dans les années 60, et peut-être la conscience qu'il faut bouger. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. On a la technologie, on a les industries, on peut mettre en commun des forces militaires, on doit faire mieux en matière de renseignement, on ne peut pas laisser les gens terroristes se balader, traverser trois frontières. Mais c'est pas vain, excusez-moi, de parler aujourd'hui de défense commune au moment où part de l'Europe la Grande-Bretagne, qui est avec la France aujourd'hui l'armée la plus puissante d'Europe, la seule capable de se déployer sur les terrains extérieurs. Okay. Est-ce que c'est pas un vœu pieux de dire, bon, bah, même si l'OTAN, on voit bien que ça peut être un peu obsolète, de toute façon, on va construire une défense commune au moment où se passe le Brexit? La sortie de l'Angleterre du marché commun, du marché unique, ne veut pas dire que l'Angleterre abandonnera ses intérêts stratégiques en Europe. Elle sait que son sort est lié et les accords de défense avec l'Angleterre perdureront au Brexit. Ça ne sera pas sa priorité vu le cycle de négociation du Brexit qui va quand même l'occuper au moins deux ans. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. D'abord, c'est pas, la défense ne fait pas partie des institutions européennes, ou alors très 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 peu. Donc le gros des accords qu'on a avec les Anglais sont bilatéraux, c'est Lancaster House, qui a été signé il y a une quinzaine d'années, il faut les élargir à trois, et on a la base là, avec un bout d'Italie et un bout d'Espagne, de quelque chose de robuste. En revanche, il n'y a rien en matière de contre-terrorisme et de renseignement, il y a tout à construire, et on peut le faire. On a les industries militaires en France, en Allemagne, en Angleterre, pour avoir une défense commune. Il faut prendre la décision politique de le faire. Monsieur Trump est en train de nous y aider. Moi, je vais vous dire, je m'en réjouis. Il faut que ce soit comme un réveil qui sonne le matin en disant on a changé de monde, il faut que les Européens se prennent par la main. Après, il y a l'aspect institutionnel évoqué tout à l'heure par mon collègue Fekel. Honnêtement, je m'en fous un peu. Je ne crois pas qu'on va arriver demain à modifier les traités, la Commission, le Parlement. Si on en rentre là-dedans, on va perdre les peuples au passage. Faisons concrètement des choses, c'est ce que disait l'ambassadeur. Montrons aux peuples qu'on peut faire une différence entre Européens. Si on sait faire peur aux Américains sur la réciprocité en matière de corruption, de transparence, de fiscalité, plutôt que d'être sans arrêt tapé, ils viennent d'avoir Volkswagen, Deutsche Bank, on a eu BNP, il faut que ça s'arrête. Donc il faut être respecté. Monsieur l'ambassadeur, sur ces questions de défense, où la défense européenne jusqu'à maintenant se réduisait souvent à un axe Paris-Londres, Berlin était beaucoup plus en retrait sur d'autres priorités. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous pensez, Pierre Lelouch parle d'électrochoc, est-ce que vous partagez cette vision? Je pense que la prise de conscience en Allemagne, aussi un peu dans le débat européen, est en fait antérieure au phénomène Trump. Donc il ne faut pas non plus qu'on se positionne maintenant comme si on doit faire tout ça parce que les États-Unis ont élu un nouveau président. Encore une fois, l'Europe a ses destins entre ses mains. Peut-être le paysage, entourage, aide à certains débats, mais les décisions doivent venir de nous-mêmes. Et vous avez eu en Allemagne un nouveau livre blanc en l'été, dans lequel ça a été décrit que l'Allemagne doit prendre plus de responsabilités. Vous avez eu des décisions en matière budgétaire. Vous avez vu un rapprochement entre l'industrie d'armement en matière d'armement terrestre qui s'est fait dans les derniers mois. Donc il y a bien plus de choses qui se passent. Et ce que je pense, ce qui est important pour les Allemands, c'est qu'on réalise avec ce qui se passe avec réfugiés, pour nous c'est plus des réfugiés que des migrants, donc ça change un peu la perspective, mais je ne veux pas rouvrir ce débat. Et pour ce qu'on voit aussi avec le terrorisme, dont nous savions toujours qu'on était un cible, ça montre que les effets de la globalisation aujourd'hui touchent nos sociétés, pas seulement sur une dimension économique, mais aussi dans la dimension sécuritaire, dans la sociétale en quelque sorte.
Et ça, forcément, va avoir des conséquences mais dans la prise. Qui dit défense commune, à supposer qu'elle puisse se développer, ce dont on parle depuis quand même 25 ans et qui a avancé à la vitesse d'escargot, enfin de manière opérationnelle depuis 25 ans, à supposer qu'une défense commune se construise, ce dont par ailleurs, ce à quoi ne sont pas prêts les pays d'Europe centrale, c'est encore une autre question. De toute façon, il y a des divergences très fortes en matière de politique étrangère. Je vous donne un exemple, la guerre en Libye, en 2011. L'Allemagne n'était même pas favorable à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et évidemment, n'a pas voulu s'engager dans cette guerre. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Du reste, à Mediapart, on l'avait salué à l'époque. Donc, non, mais il faut... Si on prend la Syrie, mais là si aussi, il y a des divergences très fortes entre la France défense, et l'Allemagne. Une politique de défense commune présuppose, évidemment, qu'on soit d'accord sur la ligne politique et diplomatique voilà. à poursuivre. Et sur ces choses, il faut travailler, il faut se mettre d'accord. Ce n'est pas une question de... dans une telle situation, oui, l'Allemagne a posé des questions par rapport à la Libye et on n'a pas eu toutes les réponses qu'on avait souhaitées à l'époque. C'est comme ça. Mais je ne veux pas refaire de l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons que ce qui se passe en Syrie nous affecte directement. Il y a 3 ou 4 ans, peut-être les Allemands n'avaient pas encore cette conscience. Donc, construisons sur cette prise de conscience. Et cette prise de conscience ne peut que nous amener à un rapprochement et qui implique aussi la définition, après ça, des politiques. Contrairement pour nous, à ce que... l'utilisation des forces militaires n'a un sens que si c'est suivi d'un projet politique et bien diplomatique. Oui, c'est oui pas non. un fin en oui, soi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui et non. Oui et non. Il peut y avoir des cas. Ça dépend de l'instrument militaire que vous construisez. Si vous construisez un instrument militaire qui ne peut être utilisé que si tout le monde est d'accord à chaque fois, vous organisez la paralysie. Si vous organisez un système de défense qui permette une certaine flexibilité, d'augmenter les moyens et d'agir lorsqu'il y a une décision commune d'un petit nombre d'États, si vous demandez la permission du Conseil ou de la Commission, ce n'est même pas la peine. Oui, mais il faut que ça se fasse en tout petit comité, 2-3 pays, avec des forces qui peuvent être intégrées plus ou moins, des soutiens logistiques qui nous permettent d'agir. Alors, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord pour agir, mais enfin, on aura quand même un noyau de force suffisant pour le faire. Et on aura un multiplicateur de puissance. Mais je pense que sur les grandes affaires où nous sommes en ce moment, monsieur l'ambassadeur, et nous sommes pour longtemps, avec le terrorisme et le volcan ouvert du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et du Sahel, je ne vois pas très bien comment on ne serait pas d'accord. Je pense que par moment, il va falloir intervenir. Après, il faut se mettre d'accord sur la durée de l'intervention, comment on sort. Ce sont des questions profondes que moi-même, je pose à mon propre gouvernement. Hein, quand on fait le Mali et qu'on y reste 3 ans, c'est trop. C'est trop. Mais que le Mali ne va pas mieux. Et ne va pas mieux. Encore j'ai toujours dit ça. Il faut entrer, sortir, il ne faut pas rester. Il ne fallait pas me mécomprendre. C'est resté un État. Non, honnêtement, monsieur Fekel, les interventions, il faut savoir comment on sort. Oui, mais évidemment, mais... Croyez-moi. On était au sommet Afrique-France il y a quelques jours. La situation est très dure et très compliquée. Sans l'intervention, aujourd'hui, ce serait un pays entièrement aux mains des terroristes. C'est quand même une réalité. Le Mali, je connais un peu, malheureusement. Ni au Mali, mais Mathias Fekel, on aimerait vous entendre là, sur cette question de la possibilité ou pas d'une politique commune de défense. De toute façon, ce sera indispensable. Alors, il ne suffit pas de le dire ici autour d'une absence de table pour que ça se fasse. Mais quand vous regardez l'histoire de l'Europe après la guerre, un des premiers projets, c'était la communauté européenne de défense qui avait échoué. Et ensuite, on est passé par d'abord une intégration économique, la méthode Monnet-Schumann, etc. Bon, on ne refait pas l'histoire, mais on regarde quand même ça. Avec les défis qui aujourd'hui sont devant les différents pays, et en particulier devant la France, l'Allemagne et les autres États européens, de toute façon, le choix ne sera pas posé. C'est-à-dire que si l'Europe veut rester une entité politique légitime aux yeux des opinions, elle est obligée de répondre aux grands défis qui se posent. Et ils existent en matière économique, mais ils existent aussi en matière sécuritaire. Donc moi, je suis absolument convaincu que là-dessus, en franco-allemand, avec les Britanniques, il faut avancer. Moi, je suis assez d'accord pour le coup pour dire que quand il n'y a pas d'entente franco-allemand sur un sujet, c'est même pas la peine d'y penser, qu'en revanche, quand il y a un accord sur les grands principes, on peut progresser. Il y a des papiers et des propositions communes du ministre de la Défense français et de la ministre de la Défense allemande
pour avancer sur ces sujets. Donc la volonté politique existe. Il faut maintenant que ça se déploie et que ça se mette en œuvre. Mais vraiment, je suis convaincu qu'on peut mettre en place cet outil-là. Après, il faut voir. C'est évidemment pas à 28 ans qu'ils prennent des décisions d'état-major et des décisions d'engagement de force. Mais l'exigence est telle aujourd'hui sur la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, sur la capacité de projection de l'Europe, que les outils vont suivre. L'Allemagne... Non, mais juste pour, oui, pour dire, oui, une seconde. Je n'ai pas voulu dire que ce soit l'unanimité des 28 pour agir. Mais évidemment, je pense que ça serait pour la France et pour l'Allemagne, l'engagement des troupes nationaux restera une décision nationale. Bien sûr. Personne n'acceptera une situation dans laquelle une entité quelconque européen décide sur l'envoi des troupes allemandes. Vous parlez en police, monsieur l'ambassadeur. Je vous félicite. Très bien. Nous sommes totalement d'accord. Et en Allemagne, ça sera le Bundestag, ça sera le Parlement qui décidera. Et ce n'est pas nécessairement... En France, ce n'est pas le Parlement qui non, décide. Non, en Allemagne, c'est le Parlement. On est à une guerre ça, par an depuis ça, 2010 ça, et le Parlement n'a jamais ça, décidé. Non, mais attends, c'est pour ça qu'il faut... Ça, par là contre, aussi, il faudrait une nouvelle peut-être république, ça, harmoniser les cultures politiques. Ça, c'est un vrai sujet. Non, mais je ne veux pas dire... Ce que je veux dire, c'est la décision par le Parlement en soi n'est pas l'empêchement d'une action rapide. On l'a vu quand c'est nécessaire. Pour le sauvetage de la Grèce ou pour d'autres interventions, un Parlement est capable aussi de décider dans des délais très courts. Je veux simplement prémunir contre l'idée que parce que c'est le Parlement qui décide, aucune décision sera prise. C'est possible si la volonté politique y est. Ainsi, il y a un projet... Peut-être en termes... Chez nous, ce serait bien d'augmenter un peu les pouvoirs du Parlement, pouvoir de contrôle, parce que je peux vous assurer qu'une fois que le président mais a décidé... Mais vous êtes encore gaulliste, monsieur Lelouch? Oui. Ah bon? Oui, mais je crois qu'un contrôle vous du Parlement... Vous n'êtes plus atlantiste, vous êtes gaulliste, on se perd c'est... dans votre oui, itinéraire. Le problème de venir dans des médias gauchistes, c'est qu'on mais se non, fait... Mais voilà, non, non, mais voilà, non, on se fait... On n'est pas gauchiste. Non, vous êtes insupportable. Vous servez la soupe au gouvernement. Oui, depuis le début. Non, et quotidiennement. Non, dites-moi, pour en terminer avec l'OTAN, quand même... Donc l'OTAN, c'est aujourd'hui, en termes de financement, de moyens, c'est essentiellement les États-Unis, enfin un poids très prépondérant des États-Unis, et je lisais dans les derniers rapports budgétaires, etc., ce qui m'a étonné, du reste, une dépendance de plus en plus grande par rapport aux États-Unis. Et quand même, il y a un problème majeur, c'est l'Europe centrale. Et je dis ça à l'ambassadeur allemand, puisqu'on dit souvent que l'Europe centrale est une sorte d'arrière-cour de l'Allemagne, en termes économiques, politiques. Donc, comment, qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN, sachant que les pays de Visegrad, les pays baltes, le premier à réagir à l'interview de Trump, ça a été le président lituanien qui a dit « Ah non, non, surtout, on ne touche pas ». On ne touche pas à l'OTAN et on espère que M. Trump continuera les engagements. C'est un peu la panique aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Vous voyez, ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est qu'après le Brexit, le soutien à l'intégration européenne en Pologne a augmenté de 9%. Oui. Ça veut dire qu'il faut quand même voir que ces pays, dans leur population, les soutiens à l'intégration européenne est très élevé. Ça a aussi à voir avec les financements européens, savoir avec ce qu'ils voient, comment ça évolue. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance, mais aussi pédagogie avec ces pays. Il faut travailler avec ces pays. Il ne faut pas dire qu'ils ont tous tort sur tout. Ils ont aussi leur histoire. Ils sont aussi marqués par leurs expériences. Il faut leur montrer que l'Europe... Nous, dans notre positionnement, on prend leurs intérêts vitaux, leurs craintes principales au sérieux. Et je pense qu'à ce moment-là, ils comprendront qu'on est là pour aussi travailler avec eux. Quand je vois le positionnement du premier gouvernement Kaczynski, oui, les jumeaux... Le gouvernement conservateur polonais, oui. Par rapport à l'Allemagne et la Russie, c'était encore deux diables sur le même piédestal. Aujourd'hui, très clairement, ils n'aiment pas l'Allemagne, mais ils détestent la Russie beaucoup plus que l'Allemagne. Donc je ne veux pas dire que c'est une bonne politique, mais ils commencent à comprendre que la politique allemande n'est pas anti-polonaise. On touche là à un sujet qui va être majeur dans les semaines qui viennent, ça va être l'Ukraine. Oui. Parce que l'Ukraine, c'est le point autour duquel tourne tout ça.
la peur panique des Baltes, la peur des Polonais, la pression sur l'Allemagne et sur nous, ça va être très compliqué parce que Trump clairement a annoncé, et Poutine a reçu le message 5 sur 5, il va y avoir un deal. Quel deal? Probablement avec une dimension chinoise, business et autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une désescalade au plan des armements, peut-être quelque chose sur le Proche-Orient, mais sur l'Ukraine, c'est la situation de tous les dangers, parce que d'une part, il y a l'annexion de la Crimée, deuxièmement, il faut se faire sortir les Russes de l'est de la Crimée, et en même temps, trouver un système pour lever les sanctions. De l'Ukraine, de la région du Donbass. Et il faut trouver à lever les sanctions. Moi, je veux dire, sur les sanctions, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais on est un peu dans une situation où le serpent se mord la queue. Parce que avec le mécanisme européen de sanctions, tous les 6 mois, on renouvelle les sanctions. Et comme dans les accords de Minsk, il faut être deux pour danser le tango. Il y a des choses qu'on attend des Russes, puis des choses qu'on attend des Ukrainiens. La classe politique ukrainienne, avec Porochenko et toute cette équipe, ne peut pas délivrer ce que l'on attend, c'est-à-dire un système législatif qui organise l'autonomie de ces territoires. Donc c'est bloqué. Tant que c'est bloqué, c'est très bien pour la classe politique ukrainienne, mais nous, on a des sanctions qui nous pénalisent et qui nous bloquent dans nos relations avec les Russes. Moi, je vais vous dire, vraiment, il faut qu'on travaille vers un calendrier de sortie de crise de façon beaucoup plus efficace, sachant que si on ne le fait pas, on risque de se retrouver dans une situation où les Américains le font au-dessus de nos têtes. Alors Fillon, lui, est pour la levée des sanctions. Je n'irai pas. Bon, je ne peux pas parler en son nom ce soir là-dessus. C'est ce qu'il a dit lors de sa campagne. Nous, on a voté des résolutions au Parlement. Il faut regarder quel était son vote exact ce jour-là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on incline à penser qu'il faut en sortir. Parce que pour l'instant, on est coincé et par les Ukrainiens et par les Russes. Donc il faut qu'on trouve une voie de sortie dans lequel on réinjecte l'OSCE, il y a un geste qui est fait de... C'est dans le russe, du coup. Pardon ? La voie de sortie que vous proposez, c'est non, de céder aux Russes. Non, c'est chacun fait un geste. Il y a un bout de geste du côté ukrainien, un bout de retrait du côté russe, on réinjecte l'OSCE et on met un deadline, on met une date butoir et on organise une sortie en calendrier. Ça, on ne l'a pas fait pour l'instant, y compris parce que, je ne veux pas faire de peine à Matthias Fekl, nos relations avec les Russes n'ont pas été d'une confiance absolue et on a eu trop tendance à suivre... y compris la position allemande, qui est on renouvelle les sanctions. Alors, mais à force de renouveler les sanctions, on est coincé. Deux autres questions. Le bouclier antimissile déployé par l'OTAN en Europe centrale. C'est inacceptable. Donc ça, à vous mon êtes avis, d'accord avec les Russes là-dessus, sur le fait de dire c'est inacceptable, même si officiellement ça vise l'Iran, etc. De facto, ça nous vise. C'est une provocation, la fabrication d'armes offensives russes supplémentaires. C'est ce qu'ils font d'ailleurs à Kaliningrad et ailleurs. Une bêtise. Pour la seule façon d'avoir un système antimissile contre les Iraniens ou les Pakistanais ou je ne sais qui, c'est de le faire en commun avec les Russes. Qu'avaient proposé les Russes du reste à un moment. Bien sûr. Vous voulez faire une mesure de confiance, on se protège contre les proliférateurs, on le fait ensemble. Mais si vous faites du déploiement de tanks américains en Europe, on rejoue la guerre froide, on remet des missiles et des missiles antimissiles, vous étonnez pas s'il y a des... Ou voir une intégration, un partenariat Union européenne-Ukraine, alors l'accord a été signé, mais d'approfondir ce partenariat, vous êtes pour, vous êtes contre, puisque la demande russe, c'est de dire, en gros, on gèle ça, et on fait de l'Ukraine un État neutre. Alors, on ne peut pas ne pas inclure les préoccupations russes dans le statut de l'Ukraine en Europe. Il y a toutes sortes de bons esprits, droite et gauche en France, qui ont dit pas question de donner aux Russes un droit de veto. La réalité, c'est qu'on a buté là-dessus, et à la fin de la journée, ils occupent un bout de l'Ukraine. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc il faudra bien trouver une sorte de statut qui est une sorte de statut de neutralisation, comme jadis la Finlande était neutralisée, ou la Suède était neutralisée, et servait de pont entre les deux. Un État tampon. Un pont. Mais sinon on va se retrouver dans une situation où il y aura des rapports de force, il y aura des chars de part et d'autre, des missiles, et on aura gagné, puisqu'en même temps, on a une pression terroriste et on a un Sud en flamme. Donc je dis, baissons la pression. Tout le monde souhaite sortir des sanctions, mais tout le monde souhaite aussi que le processus de Minsk soit respecté. Alors effectivement, par les deux parties, ce qui est rappelé systématiquement d'ailleurs par toutes les autorités européennes en cause, ça veut dire par les Ukrainiens, et... par les Russes. Et en même temps, ni la France ni l'Europe ne peuvent se désintéresser d'une telle situation avec des questions de souveraineté, de paix et de guerre aux portes de l'Union européenne. Donc
Là-dessus, il y a un travail pour le coup franco-allemand que moi je salue. Je sais qu'il y a des différences là-dessus d'appréciation, qui est absolument fondamentale parce que c'est aussi une certaine conception du rôle de l'Europe qui est en jeu dans cette affaire-là. Qu'il ne faille pas provoquer la Russie inutilement sur toute une série de sujets, qu'il faille maintenir le dialogue en manière permanente, on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, quand la chancelière et le président inventent le format Normandie, c'est bien avec l'idée qu'il faut parler aux Russes en permanence, mais qu'en même temps, on ne peut pas céder sur un certain nombre de sujets qui sont absolument essentiels. – Et alors sur un autre sujet… – Je suis d'accord. – Bon, bah, vous êtes d'accord là-dessus. Est-ce que… – Peut-être, je ne veux pas trop orienter, mais il faut qu'on ait le temps de dire un mot sur les sujets économiques et commerciaux qui sont très importants. – Voilà, sur les traités de libre-échange. – Sur le traité de libre-échange, où vous avez eu un rôle d'inflexion un peu, on va dire, de la position française, Mathias Fekl. Est-ce qu'on considère que c'est un peu la même chose qu'on a dit sur l'OTAN, c'est-à-dire Donald Trump… dit un fond de vérité en disant qu'il y a une obsolescence de l'OTAN. Là, il dit un fond de vérité en disant que la poursuite de ces traités transatlantiques de libre-échange n'est pas possible et apporte des réponses inquiétantes ou au contraire apporte les bonnes réponses avec le protectionnisme. Notamment si on veut éviter le dumping social et écologique. Vous parliez tout à l'heure de développement, d'emploi écologique. Donc voilà, est-ce que votre conclusion, elle est oui, il dit des choses sensées, mais ces réponses, nous n'aurons pas les mêmes ou vous dites bah, finalement, il faut qu'on ait les mêmes réponses. Moi, je prône pas l'égoïsme pur et simple, parce qu'à ce moment-là, on va dans une spirale de moins 10 ans, et à la fin, tout le monde est perdant. Je crois beaucoup, et là-dessus, il peut y avoir des points d'accord, à la réciprocité. C'est-à-dire que ce qui est fait par les uns doit être fait par les autres. Et là-dessus, vraiment, il y a une naïveté de l'Europe, et tout le monde doit prendre sa part là-dessus, hein, depuis des années, qui est de se dire que le commerce va nécessairement apporter la prospérité, quelles que soient les règles qu'on négocie. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un accord ou non, c'est le contenu de l'accord. Et on ne peut pas dire, mais en général, je ne veux plus aucun accord, je ne veux plus jamais commercer avec les autres, mais il faut regarder précisément ce qui se fait à l'intérieur. Et on ne peut pas négocier avec les États-Unis tant qu'ils appliquent de manière unilatérale leurs droits au reste de la planète. Là-dessus, le rapport M. Lelouch avec Karine Berger est vraiment un travail parlementaire remarquable de la fin de l'an dernier. C'est à l'automne. Ah oui, c'est à l'automne. Donc il y a la réciprocité. Il y a l'affirmation d'un certain nombre de valeurs. Comment est-ce qu'on interdit que des groupes privés puissent attaquer des choix démocratiques, des choix de politique publique, qui scandalisent à juste titre les gens? Comment est-ce qu'on intègre les objectifs sociaux et environnementaux là-dedans? Comment est-ce qu'on met de la transparence dans tout ça? Donc moi, j'ai fait au nom de la France des propositions qui sont maintenant dans le débat public et qui peuvent donner à l'Europe l'occasion de refonder sa politique commerciale avec vraiment l'idée qu'il faut s'affirmer et qu'il faut mettre de la réciprocité les accords et dans les échanges. – On a quand même l'impression que cette négociation est de fait mornée depuis des années, non ? Depuis deux ans. – Vous avez encore hier, la Commission européenne qui a deux jours de l'investiture de M. Trump trouve rien de mieux à faire que de faire un rapport pour dire à quel point il y a eu des progrès formidables, etc. En fait, tout ça est absurde et serait drôle si… si ce n'était pas tragique, parce que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est précisément plus d'Europe, mais une capacité de l'Europe à s'affirmer comme une puissance publique qui porte des choses dans la mondialisation. Mais quand vous dites sommes la première entité économique au monde, l'Union européenne. D'accord, donc mais quand il faut s'affirmer à la hauteur de cette force. Ça veut dire que si Trump met des droits de douane de 35% sur les Mercedes ou les voitures Renault, on va mettre 35% de droits de douane sur les voitures ou les marchés publics. Ça veut dire qu'on prend des mesures équivalentes. Ça veut dire que, pardon, je finis là-dessus, mais ça veut dire que quand il y a Buy America, il faut en face proposer des choses équivalentes. Moi, avec Christophe Sirugue, on a proposé des choses récemment sur le « Make in Europe », comment reconstruire une industrie européenne. Ça veut dire que quand il y a des taxes de plusieurs centaines de pourcents qui sont mises en œuvre, il faut pouvoir répondre rapidement. Et ça veut dire qu'à chaque fois que les États-Unis refusent d'ouvrir un marché public, il faut faire de même. À chaque fois qu'ils prennent des sanctions, il faut être en mesure de faire de même, parce que sinon… si tout cela reste sans réponse, ils auraient bien tort finalement de se priver de tout mettre en œuvre. Donc il faut une puissance publique européenne réactive, forte et capable d'agir et de décider. J'ai eu à faire le même genre d'exercice dans les mêmes fonctions et c'est très difficile. J'ai appris plusieurs choses. Un, les États-Unis sont extrêmement protectionnistes avant Trump. C'est-à-dire que si vous essayez de rentrer dans le business de l'entertainment, de la télé, de Sony avait essayé, vous ne rentrez pas. Si vous essayez de faire dans le militaire aux États-Unis, vous ne rentrez pas. Regardez comment Airbus avait gagné le contrat sur les tankers.
Les Américains l'ont annulé deux fois, en violation de toutes les règles nationales et internationales. Donc, ils jouent très dur. Nous, nous ne pouvons pas jouer très dur. Vous savez pourquoi ? Parce que la négociation du commerce international en Europe, M. Feckel l'a découvert, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas les gouvernements nationaux, c'est un commissaire européen. Parce que là, on est dans une compétence quasi fédérale, en fait. Les États donnent mandat. Donnent mandat. Et c'est le commissaire qui négocie au nom de tous. C'est ce qu'on résultat, a fait sur le CETA, avec des conditions de négociation totalement obscures. Absolument. Et, lui, il va dealer en fonction des intérêts des uns et des autres. Et à chaque fois qu'il va heurter un point dur, bah, en général, il va avoir tendance à reculer. Et la Commission continue à sortir des communiqués invraisemblables. Un des points durs que nous avons dans ce traité avorté, c'est l'accès au marché public. Les Américains s'abritent derrière leur constitution, s'abritent derrière le bail américain, mais là, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas dans les marchés de Californie et autres. Eux, ils arrivent, ils achètent de l'armement ici, ils nous piquent nos propres entreprises parce qu'on les laisse dépecer nos entreprises. Et le cas de Alstom, pour moi, est un scandale d'État. Je dis, et je pèse mes mots. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus dur. Regardez ce qui se passe aussi sur la Chine. Ils mettent des droits de douane à 560% sur l'acier. Mm-hmm. Nous, on se gratte encore, et j'ai posé la question à mon successeur ministre, je dis, qu'est-ce qu'on fait sur la Chine ? La Commission n'est même pas encore arrivée à avoir une formule, donc on est dans un no man's land, où si demain les Chinois nous attaquent devant la cour d'arbitrage ou l'OMC, on perd. Donc ça ne fonctionne pas, je crois qu'il... Il y a un moment, c'est que quand je disais qu'il faut régler ça d'urgence entre Français et Allemands, il y a des choses à changer, très importantes. Le commerce international, c'est une affaire qui doit être gérée par les États et pas par un commissaire européen. Si on ne fait pas ça, on va continuer à être massacré par tous les grands groupes commerciaux, les Chinois, les Américains. Croyez-moi. Est-ce que la France et l'Allemagne sont peu ou prou sur la même ligne sur ces négociations commerciales ? Et est-ce que vous approuvez ce que vient de dire tant Matthias Feckel que Pierre Lelouch ? Bon, je pars par le constat que l'état de la négociation qui avait été atteint sous l'administration Obama n'était, au point de vue allemand, pas satisfaisant. Donc on n'était pas arrivé à une conclusion. La différence, peut-être pour certaines, était que pour nous, on pensait que c'est utile, avec Obama, de continuer à négocier. Négocier, ça ne veut pas dire accepter tout. Donc on avait aucun accord qui était abouti. On avait un résultat, après des longues interventions d'ailleurs préparées en franco-allemande sur l'accord canadien, qui a porté des fruits. Et c'est un accord qui, pour des accords internationaux en matière de commerce, est relativement moderne et qui tient compte de beaucoup de choses qui ont été dites par Matthias Feckel et qui l'Allemagne et la France, ensemble, ont su introduire dans ce débat. Et ils ont mis en quelque sorte leur poids. Ils ont dit que nous allons accepter le résultat de la négociation de la Commission, pas tel qu'il nous a été présenté. On ira ratifier ce type d'accord que si telle et telle chose sont réglées et renégociées avec les Canadiens. Donc même dans la configuration actuelle, on a des possibilités d'agir. Là, vous nous parlez du traité CETA, je dis ça pour les gens qui nous regardent, du traité CETA qui a été plus ou moins signé après le blocage de la Wallonie et qui reste à ratifier par le Parlement européen, ce qui n'est pas joué. Et par les parlements nationaux. Ils sont à ratifier par les parlements parce que la France et l'Allemagne, c'est-à-dire mon homologue allemand et moi, se sont battus pour qu'il y ait une ratification parce qu'on considère qu'on ne peut pas faire des accords sans qu'il y ait une validation démocratique. Donc tout ça ne tombe pas, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Et ça, la question de la ratification change la question de l'influence des États membres sur le résultat de la négociation. Donc c'est un élément important. Par rapport, vous avez mentionné BMW, il faut quand même regarder les choses un peu de plus près. La plus grande usine de BMW se situe aux États-Unis. Elle exporte plus des États-Unis qu'elle ne vend aux États-Unis. Donc BMW contribue à l'exportation des Américains et pas à l'importation. Quand Trump vous menace, dit si BMW fait une usine au Mexique, je mets 35% de droits de douane, BMW ferme ses usines aux États-Unis. La discussion va s'engager. C'est pas une question de menace. J'essaie de décrire que les liens
et les lieux de production, de vente et de revente sont compliqués. Les derniers Chevrolet que les Américains ont vendus aux Américains, depuis quelques années, ils ne le font plus, étaient construits en Corée du Sud. Donc très bien. Peu d'Allemands les ont achetés, mais ils nous ont été proposés de Corée. Donc il faut quand même, dans ces choses, regarder la réalité de la production de ces grandes entreprises, aujourd'hui. Et au fond, ce qui a été dit par Matthias Feckel et par vous sur la question de la réciprocité, que le libre-échange a un sens s'il est équitable, s'il est bien fait, c'est quelque chose qu'on partage. Et nous avons envie de se battre pour le libre-échange, mais pour un libre-échange correct. On ne veut pas abandonner le libre-échange à un protectionnisme qui, à la fin, affaiblira économiquement tout le monde. Oui, alors, monsieur l'ambassadeur, on se souvient de Donald Trump qui était en visite, qui avait visité un golf en Écosse le jour du vote sur le Brexit, et en appelant à voter pour le Brexit. On se souvient également du dernier voyage d'Obama en Europe, qui a été à Berlin, et où on a vu Obama, en quelque sorte, comme transmettre le relais à Angela Merkel, en lui disant « c'est vous, la grande dirigeante européenne, qui, quelque part, allez pouvoir porter les valeurs de l'Europe et défendre, j'allais dire, comme une certaine idée du monde occidental et de ses valeurs ». Le prochain déplacement de Trump, c'est en Allemagne, vous pensez ? Vous demandez à ses équipes. Simplement, je peux dire que l'Allemagne a la présidence des G20 pendant cette année et il y aura un sommet G20 en été à Hambourg. Et évidemment, le président des États-Unis est le bienvenu. Très bien. Pierre Lellouche. Moi, je crains qu'on aille dans une phase de protectionnisme dur avec les États-Unis et d'autres grands blocs commerciaux parce que malheureusement, la tendance... Malheureusement, c'est comme ça. Il se trouve que les pays émergents ont découvert ce que nous avions découvert à l'époque du général. Et quand on réindustrialise son pays, en général, il vaut mieux se protéger, dévaluer, avoir une monnaie faible et essayer de se protéger. C'est ce qui a assuré le succès des États-Unis avant-guerre. C'est ce que d'autres ont fait après-guerre. Donc, il ne faut pas s'étonner si les Indiens, les Chinois... c'est extraordinairement fermé comme marché, très, très difficile. Donc, on va vers une compétition... Simplement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre les yeux. Là aussi, il faut que ce soit un réveil matin, là, qu'on se réveille au monde réel, qu'on arrête de se payer de mots et qu'on prenne des mesures que les autres peuvent entendre. Les Américains, ils comprennent les rapports de force. C'est la seule chose dans le rapport que j'ai fait sur l'extraterritorialité qui les a intéressés, et ce qu'on a mis dans la loi Sapin avec ma collègue socialiste, on a fait ça à deux avec Karine Berger, on a introduit des mécanismes qui sont inspirés des lois américaines, avec une réciprocité. C'est-à-dire qu'on peut traîner devant des tribunaux français des boîtes américaines, les filiales installées en France. Ça, ils comprennent. Mais si on ne met pas les mêmes instruments, ils vont continuer à nous s'asseoir sur nous exactement comme un éléphant à l'époque de Bandeau. Donc il faut être extrêmement fort là-dessus. Mathias Feckel, le mot de la fin. Et est-ce que, par exemple, juste parce que je pense qu'on avait la même question, est-ce que vous pensez, Trump arrivant, est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de demander, vous, en tant que secrétaire d'État au commerce, de demander à la Commission de rediscuter du mandat qui lui a été donné sur le traité transatlantique ? Alors, non seulement je pense ça, mais j'ai même fait une proposition dans mes propositions de refondation de la politique commerciale qui fait qu'il faille régulièrement reconfirmer les mandats pour qu'il n'y ait pas des mandats de négociation qui durent jusqu'à la fin des temps et qui permettent à la Commission de négocier sur des mandats qui ont 10 ans, 15 ans, c'est absurde. Donc je suis absolument favorable là-dessus avec les États-Unis, mais aussi en général. Il faut qu'il y ait régulièrement le besoin de reconfirmer ça parce que c'est aussi le contrôle démocratique. Mais sur le mot de la fin, ce serait vraiment un retour à l'Europe et l'idée de dire qu'avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais aussi dans les émergents et en Asie, c'est l'occasion unique pour l'Europe, pour tous ceux qui croient au rêve européen, que de voir l'affirmation d'une puissance publique européenne moderne, capable de peser dans la mondialisation. Alors on va vous laisser tous les trois bâtir cette puissance capable de faire pièce à l'investiture de Donald Trump dans maintenant moins de 48 heures. Merci infiniment d'être venu ce soir à Mediapart.